Bon, voyons voir un match quand même assez drôle, hein? Voyons un duel entre bâton de baseball et une fusée. Pourquoi un bâton de baseball? Ben, ça va être plutôt bizarre quand même. Bon, oh, tiens. Celui-là, il vient de France. Guadeloupe. Guadeloupe. Ok. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi un bâton de baseball, ok? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans contre un joueur qui se nomme habitant? Ça va être quand même assez spécial, ça va faire la première fois que je vois ça. Il n'ose pas trop le japonais, comme à l'habituel, hein? Toujours attaqué au sol, mais jamais dans les airs. Regarde, ce qu'il fait, c'est éviter le monde. Ça, c'était dans le champ. Puis il a été souvent carrément s'effusé. Au moins, c'est pas la plante. Bon, regardez à partir d'ici. Vous avez vu? Hein? Il a fait comme un effet miroir avec son bâton de baseball avec Ness. Regardons la suite. Ça marche pas avec le pont, on dirait. Il a essayé de mettre KO avec ça, mais ça n'a pas marché. C'est encore raté. Vous voyez, ça hausse pas trop. Toujours ça défensé comme à l'habituel. Tout ce qu'il cherche à faire après, c'est d'abuser. Regardez ça. LOL. Ou bien je devrais dire mort de rire. C'est assez drôle quand même, hein? Il a utilisé une projection pour que l'attaque de son adversaire se retourne contre lui, puis c'est ça qui est arrivé, puis il a chuté. Et non, il survient encore puis il est rendu à 132%. Mais comment va se dérouler la fin? C'est la grande question. Mais je pense que peut-être que vous avez déjà deviné comment que ça va finir. Avec le Picky Freeze. Eh bien, félicitations, bravo, ça c'était vraiment très beau. Magnifique. Et quelle leçon qu'on devrait en retirer de ça? Si on veut l'espérer gagner, s'impliquer fort. Si on veut trop jouer ses talons, c'est ça qui arrive. Puis surtout quand on veut abuser de son personnage, c'est jamais bon non plus. C'est moins classe comme ça. On peut dire que quand même Gabi, il n'en a pas manqué ici. Mais si je l'ai déjà combattu, puis que lui, il s'amusait à me faire des attrapés, à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, mais pas sûr de ça. Mais pour moi, il n'a pas été casse avec moi, mais quand même avec d'autres personnes, c'est bizarre, c'est toujours tout le temps différent. Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que les gens... Ok, la seule manière qu'ils trouvent pour me vaincre, c'est...
en spammant ou en trollant leur personnage. C'est quoi le but? C'est juste pas agréable, juste empêcher l'autre de te frapper ou bien de t'attraper. Puis César, lui, ce qu'il faisait à la fin, c'était juste m'attraper et utiliser ses balles. Ses balles d'ombre contre moi avec son Mewtwo. Là, on peut dire qu'ici, c'était un très beau match, hein? Même presque excellent. Il aurait juste fallu qu'il survive à la fusée du japonais. Mais il a quand même gagné pareil avec son Picky Free. C'était juste beau à voir. Effet explosif entre ces deux attaques-là. Mais le plus drôle, ok, c'était le bâton de baseball contre la fusée. Puis lui, il chute en bas. Il a sauté de son cockpit un peu trop tard. Alors oui, c'était quand même drôle, hein? Une projection avec un bâton de baseball. Eh bien, écoute donc. Eh bien, on n'a pas fini encore d'en avoir de toutes les couleurs. Ça sera tout pour mes joueurs étoiles pour aujourd'hui. Nous nous rejoindrons pour le prochain match que j'ai joué hier.